C'est quelqu'un qui a tiré dans l'avion, j'ai vu une arme, j'ai trouvé une arme par terre. Non, non, t'es complètement à l'ouest, mon fiston. Go chercher des indices. Ok. Non, mon général, vous pouvez me soigner, s'il vous plaît. Ah non, mais t'as cru que j'étais infirmière ou quoi? J'ai trouvé, je pense avoir l'idée. Tiens, toi. Je pense avoir la solution. Toi. Il y a une attaque de gaz. Non, c'est pas ça. C'est bon, j'ai la réponse. Toi, c'est quoi, toi? C'est bon, monsieur. Dans la mission turbulence légère, je m'en souviens. Non, rien du tout, mais arrête, hein. C'est perdu. Mon général, je crois avoir l'solution. McCain, viens. C'est quoi ton idée? Personne a une trousse de soin pour moi, s'il vous plaît. Ce serait pas le commando Jean-Kevin qui serait fait attaquer par hasard? Oh non, mais vous avez fumé la moquette. Vous avez trouvé quoi comme indice? Moi je dis, c'est le pilote, il a vu une voie GTA, il s'est craché comme une vieille merde. Ah, mais on s'entend pas pareil, c'est... Eh, y'en a un qui brûle là! Y'en a un qui brûle, mais il manque des détails, y'en a un qui brûle! C'est moi! Il est en train de jouer, puis d'un coup il y a eu une attaque de gaz, et puis d'un coup il a niqué sa mère. T'as tout perdu, t'y es plus là! Général! Quoi? Je sais! Quoi? Il jouait, il a une perte de connexion. Mais non, mais vous avez. Donc il a. Il y a une partie qui est bonne, mais. Il a eu deux actes. Réfléchissez. Il jouait, puis. Vous avez trouvé quoi comme indice? Il s'est craché. Mitchell, t'es où? Moi j'ai trouvé la mallette, la mallette, la télé et le masque à gaz. Pas de masque à gaz. Et le pistolet. Vas-y là. En général, il y a un masque à gaz. Vous devez vérifier si c'est un masque à gaz, il n'y a pas de masque à gaz. C'est des lunettes, il jouait à un Steam VR. Oh, il jouait à l'Oculus Rift ou à réalité virtuelle. Il joue à quoi? À GTA en réalité virtuelle. Ou à Armand, ça dépend. Ok, yes. Quelqu'un a une autre idée? Ah, moi, ouais, moi j'ai une idée. Il joue à un jeu vidéo en réalité virtuelle. C'est quoi ton idée? Moi je pense que c'était des campeurs présents ce soir-là. Ils étaient tranquillement posés. Ok, t'as fumé la moquette. Non, mais attendez. Non, ils ont qui a une autre idée? Du hacking sur... Mon général, j'ai une idée. Quoi? Il était en train de jouer au jeu vidéo dans GTA avec son avion. Et il s'est craché. Non, moi, la bonne réponse a été dite, les gars. Elle a déjà été dite. Bon nucléaire. C'est toi. Viens là, toi. Tu joues à l'Oculus. Taisez-vous. C'est moi qui dis... Il va dire la bonne réponse, si tu sais ce que c'est. Donc, il jouait à un jeu en VR quand il pilotait et du coup, il s'est crashé. Il jouait à quel jeu? À GTA. War Thunder. Choisis bien. Si c'est pas la bonne réponse. C'est pas n'importe quel jeu, hein. Faut choisir le jeu, il y a des indices autour qui disent le jeu. Repez votre vie, hein. C'est Arma 3, c'est Euro Truck Simulator. Mais non, il y a une espèce de mallette avec des trucs, c'est pas... Mais la mallette, justement, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il jouait à quel jeu en réalité virtuelle pour se péter la gueule? Il a bien joué à GTA. Un GTA. Call of. Et voilà, Pete Mitchell. Battlefield. Pete Mitchell, il a dit le truc, hein. Pete Mitchell, il a dit la vérité. C'est Pete Mitchell qui a gagné, hein. Battlefield. Il joue à GTA. GTA 5, les gars, GTA 5. Battlefield. Il joue à GTA 5 en réalité virtuelle, les gars. Tout à l'heure, mon général. Les gars, il jouait à l'Oculus et d'un coup... Non, il a percuté avec Mamadou. Bon, c'est Pete Mitchell qui a gagné, hein. Mamadou, toi t'es deuxième. Attendez, je peux plus marcher. Il y avait une télé avec GTA 5 affiché dessus. Il y avait une manette, il y avait une console, il y avait la réalité virtuelle. Donc voilà, vous avez tout compris. Mais c'est moi qui a dit qu'il jouait à GTA avec ça. Bah, tout à l'heure, monsieur a dit qu'il jouait à GTA. Vous lui avez dit. Il m'a dit GTA ou Arma. Et sinon, il savait pas trop, il a dit GTA ou Arma. Fallait choisir. Toute première fois, j'ai dit GTA, puis j'ai dit Arma. T'as dit ou Arma. C'est pas grave, je suis deuxième. Voilà, les gars. Bon, mettez-vous autour du feu. Attendez, je peux plus courir. Ouais, Mamadou, c'est moi. Monsieur? Quoi? Merde, attendez. Quoi, merde? Non. Est-ce qu'on va faire une épreuve au tir? Oui, bien sûr. Il a reculé tout à l'heure. Attends, c'est qui parle là? Parce que là, j'ai un flingue entre les mains. Ouais, c'est toi là qui parle, tu veux faire une épreuve de tir? Ça s'appelle une lampe torche. Ouais. Okay, on va faire une épreuve de tir. Voilà, l'épreuve de tir est terminée. Hein. Bien visé, général. Le grand perdant, c'est Nicolas Legrand. Nicolas Legrand, décidément, qui gagne pas de points, hein, dans tout ça. Ok, les gars, l'épreuve qui va suivre, elle est extrêmement difficile. Tiens, vous pouvez me le réanimer là, vous pouvez me le réanimer. Toujours en train de dormir là. T'en as pas marre de dormir? Est-ce que quelqu'un aurait une chance, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Non, mais vous avez cru que c'était Carrefour ici ou quoi? Ok, bah dépêchez-vous, mangez un bout là. La prochaine épreuve, elle va être explosive. C'est pas ça. En ligne! Allez, pop.
Arrêtez de bouger. Oula, quoi. Le prochain qui passe devant, je lui mets une balle. Surtout, dites pas merci quand on vous donne de la nourriture. Dites pas merci. Merci, monsieur. J'étais en train de le dire, monsieur. J'étais en train de non, j'étais pas en train de le dire. Je ne parle pas la bouche pleine. Je ne parle pas la bouche pleine. Manger. L'insolent, ce petit Mamadou Silverwood, là. Merci, mon général. Bien sûr, HK Mods. Vous voyez une omelette de fromage. Non, mais l'autre, il veut qu'on lui fasse des petits plats perso, quoi. Vous donne, on n'est pas au restaurant. Non. Profitez. Eh, toi, tu rebousses, je te mets un coup de taser, je te jure, joue pas avec le feu. Merci, monsieur. Identité. 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 D'accord. Identité. Tenez, mon général. Merci, mon général. Identité. Allez, on bouffe. On boit. Merci, mon général. On va pouvoir attaquer à la prochaine épreuve. Dans la nature, hein. On n'est pas là pour manger des œufs sur le plat, comme monsieur John McCain se traite. Du lapin et de l'eau. On va faire une petite, pause. Vous allez tous me raconter une histoire fantastique, hein, une histoire drôle, une histoire fantastique, quelque chose qui fait peur. C'est vous qui voyez. On va commencer par vous. Il y aura des points en fonction si c'est bien, si c'est de la merde. J'en ai pas d'histoire là. Vraiment pas. Ok, vous êtes éliminé, vous perdez des points. C'est pas grave, c'est mon général. Allez, une histoire, fais pas ta... vas-y, fais pas ta... Oh. C'est un pingouin qui respire par les fesses. Il s'assoit et c'est tout. J'ai rarement entendu un truc d'aussi merdique. Hein. Donc déjà, toi, tu gagnes rien. Il dit quelque chose, lui. Il peut pas parler, lui. C'est l'histoire d'un caillou qui se promène avec des pieds sur la plage et il se pose et il bouge plus et ça devient une pierre de GTA. Quand les voitures elles se prennent les pierres dans GTA, ça fait mal et bah c'est la même chose. Voilà. C'est éliminé. Alors c'est l'histoire de la rencontre entre une pomme de terre et un homme. En fait, cette douce pomme de terre qui poussait avec sa famille dans les champs se fut un jour arrachée à sa famille par un corbeau. Il décida de pour se venger de la larguer sur un homme qui était en fait mon arrière-grand-père et qui a inventé la frite. Voilà, c'était l'histoire de McCain. Moi je veux un cours de rattrapage. Négatif. Non, non. C'est passé. Y'a pas de raison que vous ayez une seconde chance. C'est un mec, il va dans un garage et puis il dit j'ai eu un accident, je ne peux plus ma voiture. Ouais. Alors il dit ok d'accord, elle est où votre voiture? On vous envoie une dépanneuse. Ah non, je suis très pressé, trouver une autre solution. J'ai pas compris là. Non mais moi non plus en fait. C'est un gros fail. C'est la différence entre une pizza congelée, une pizza brûlée, une bière congelée, une femme enceinte. Je ne sais pas. Dans les trois cas, l'homme n'a pas son cerveau. Y'a quelqu'un qui a envie de rigoler à ça? Nicolas Legrand. Oui, mon général. Allez, tu dois nous raconter soit une blague, soit une histoire qui fait peur, soit une histoire drôle, tu fais ce que tu veux. Ok, en fait, une nounou qui garde un bébé. Et en fait, elle entend le bébé pleurer à l'étage. Elle va voir, rien. Elle redescend, elle calme le bébé, et elle le re-entend pleurer à l'étage. Et en fait, à un moment, elle regarde à la fenêtre, et elle voit un clown qui jongle avec des couteaux. Alors elle ferme les volets, et en fait, elle se retourne et elle voit que c'est le clown qui jongle avec les couteaux dans la maison. Et elle est morte. Il y en a vraiment pas un pour relever le niveau. Non mais attendez, sinon j'ai une blague marrante. Non, c'est mort. Non, les gars, on va y aller maintenant, on va aller sur la prochaine épreuve.